Nom de pote, et dans cette époque, t'as pas de milieu de BLB. Oh, chier. Ça pour quelques dollars, tout le monde va. Putain, j'arriverai jamais. Des politiques à la télé qui débattent, et des vidéos débattent, des coups de poing débattent, et des patates dans la tête, et des frappes de ta faute, peu importe, t'es prêt à tout pour marquer la cagnotte, non, stop. Est-ce que c'est possible d'apprendre ça en moins de 24 heures? Donc comme vous avez compris, je vais essayer en moins de 24 heures d'apprendre le couplet de Big Flo Oli dans le son Ça va trop vite. Déjà, tout d'abord, je vais imprimer les paroles. Let's go. Tac. On a les paroles. On est d'accord que c'est un peu long, non? Un peu comme... Non. Alors pourquoi j'ai voulu me lancer ce défi? Parce que comme vous savez, en ce moment, je suis à fond sur les sons. J'adore faire des sons, d'ailleurs, vous pouvez les voir, il y en a quelques-uns ici. Et du coup, vous savez, je parle assez vite, on va dire. Mais je bégaye souvent, parce que, à savoir, je suis dyslexique. La dyslexie, c'est quoi? J'ai pas la définition exacte. Mais en gros, c'est par exemple, quand j'étais petit, au lieu d'écrire bateau avec un P... Avec un B, ouais, j'ai failli faire l'erreur. Et bah, je l'écrivais avec un P des fois. Bateau. Mais pour moi, c'était bateau. Je confondais le P et le B. Donc pour moi, c'est un challenge. Vous me connaissez sur la chaîne, j'adore me challenger. On peut dire que je suis un challenger. J'ai déjà fait plein de challenges sur ma chaîne YouTube. Essayer de faire 1000 saltos en moins de 24 heures. Rester 24 heures dans ma voiture. Dire oui à mes soeurs pendant 24 heures. Dire oui à ma mère pendant 24 heures. Essayer de faire un son en moins d'une heure. Bref, j'ai fait plein de challenges. Et aujourd'hui, je pense que ce challenge va être sans doute le plus dur. Oui. Donc là il est actuellement 13h15, le début du challenge commence. J'ai envie de faire le plus vite possible parce que j'ai pas envie de demain 13h15 d'être encore là. Et cette nuit j'ai envie de dormir plutôt que de faire ça, donc c'est parti, let's go la team. Du coup on va détortiquer ça, je sais pas si détortiquer ça se dit en français mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Je sais pas du tout comment ça peut se passer, si c'est facile, si c'est dur. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débats, des coups de poing débattent, des nuits bas mal... Let's go. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débats. Ça va être très dur. Des coups de poing et des battes de pattes. De patates. Des coups de poing, des battes de patates. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débattent. Des coups de poing dans les battes, dans les patates. Waouh, sa mère, c'est chaud, je pensais pas. Des coups de poing, des battes et des patates. Ok. Bon, franchement, je trouve que c'est dur, mais c'est grave faisable. Et oui, le but, c'est aussi qu'on comprenne ce que je dis. Même si je dois aller le plus vite possible, c'est que vous compreniez ce que je dis. Des coups de poing, des patates et des patates dans la tête et des bavures, des battes. Voilà, on a rien compris. Vous voyez, j'ai pas du tout articulé. J'en transpire. Et je vous jure, j'en transpire. Je suis plus la moustache qui frotte. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos, des débats, des coups de poing, des patates, de... Blablabla. C'est devenu balade et les petits qui cannent pour ce que ça va. Ok, je pense que ça commence à rentrer, je sais pas mais moi, ça me fout un stress, je vous jure. Non, c'est devenu balade et les petits qui cannent pour ce que t'arrêtes. Je pense que là, on est plutôt pas mal en vrai. Par contre, peut-être que ça va m'aider à bien articuler maintenant. Je sais pas, pas du tout en fait. Peut-être que ça va être pire. Ta-to-to-ta. Par rapport à ce petit couplet-là, essayez de, vu que j'ai dit plusieurs fois, essayez de décrire ce que vous pensez que j'ai dit. Même c'est compliqué, parce que même moi, avec le couplet de Big Flo Oli, il y a des mots que je me suis dit, ah, ils étaient dans le couplet. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos, des débats, des coups de poing, des battes et des patates dans la tête, les pavures des... Oh, j'arrive plus. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? T'es une merde. On va se détendre, tout va bien se passer. Dans la tête, les bavures des polypiciens. Fini. 1 minute 51. Les esprits reviennent. C'est dur à enchaîner. Juste quand je vais dire à la fin, embarquer la cagnotte non-stop. Ça va me faire du bien. Politique à la débâcle. Ah papa. Des patates et de bains. Des battes. Là ça fait actuellement 17 minutes que je tourne et que ça me rend dingue. En fait à chaque fois tu passes un palier, tu te dis c'est bon, c'est ça, c'est validé. Et au final en fait non, tu dois tout recommencer. Donc là ce que je suis en train de me dire c'est que quand ce petit truc là je vais l'avoir, ok je vais passer ici, ok je vais passer ici, ok ce couplet là à la fin je l'aurai. Mais est-ce que de repartir à zéro, je vais plus m'en souvenir de faire ça. Vous savez c'est comme la poésie, quand vous apprenez des poésies, vous apprenez toujours par paragraphe par paragraphe. Et après vous répétez le premier et le deuxième, vous passez au troisième, et là le premier est oublié. C'est pas encore, en fait je l'ai, ok je le fais très vite, c'est très bien, mais vous le voyez très bien, je n'articule pas, ok. Il faut qu'on comprenne tous les mots et toutes les phrases, il faut qu'on comprenne un peu ce que ça veut dire, sinon c'est nul, ok. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos, des débats, des coups de poing et des battes, des patates dans la tête, les bavures et des balles qui se perdent dans les bâtiments, c'est devenu banal et les petits qui cannent pour que t'arrêtes. Wouah, il était parfait celui-là, vous avez vu comment je l'ai fait archi vite. Ouais non, c'est un accéléré. Vous l'avez peut-être cramé, ça s'est entendu au montage. Ceux qui l'ont pas cramé, vous êtes nuls. Ceux qui l'ont cramé, bravo. Petit fils de pute. Ça va. Patates dans la tête et des bavures et des balles qui se perdent dans les bâtiments, c'est devenu banal et des petits qui cannent pour que t'arrêtes. Je pense que là, je suis sur un truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Le but c'est bien sûr de réussir à faire tout ça en une seule fois. Et surtout le but, bah, ultime aussi, on essaie toujours de se surpasser. De battre Big Flo Oli, ça serait incroyable non? Bon là je suis un peu satisfait, ok, de ce que je viens de faire. Donc ça veut dire que là je vais arrêter avant de faire de la merde.
Ok, bon là on est reparti pour ce petit couplet du coup, enfin ce petit couplet, ce gros couplet de Big Flo et Oli. Ça fait actuellement une heure que j'ai laissé un peu mon cerveau aller un peu mieux parce que j'ai eu du mal un peu au début. Donc on va reprendre, d'ailleurs j'ai un peu chaud, je vais enlever mon t-shirt. Ah oui, très important, en ce moment je suis en train de tourner une vidéo vu que je fais une transformation physique aussi. Où j'ai pas le droit de me regarder dans le miroir pendant 28 jours. Donc là ça veut dire que vu que j'ai le retour caméra en dessous, j'ai pas le droit de regarder mon physique pendant que je change de t-shirt. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube si jamais vous voulez voir cette vidéo qui va être très intéressante. Parce que l'expérience franchement, je pense qu'elle va être très dure de pas pouvoir se voir pendant une transformation physique. Donc je te laisse t'abonner, ouais, merci à toi. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans mes cheveux là? Oh c'est le bordel. Ok, donc là on va prendre un autre petit paragraphe. Donc c'est parti. On va prendre, il y a ce type de mot du balcon pendant la bagarre pour une histoire de paquet de cam et de femmes. Je pense qu'on va déjà faire celui-là, juste ce petit truc là. Il est un peu compliqué parce que même la phrase en elle-même je la comprends pas trop. Pour une histoire de paquet de cam de femmes. Ok, il y a ce type de mot du balcon pendant la bagarre pour une histoire de paquet de cam et de femmes. Ok. J'aime bien ce petit plan en haut, est-ce que vous aimez bien pour les prochaines vidéos? À tout moment il peut tomber, mais je trouve ça cool quand même. Il y a ce type de... faut que je bois, il faut boire. Franchement celui-là facile, donc on va directement passer au prochain. Donc on va prendre, tout le monde pète un câble, on peut te braquer, te claquer dans une cave et demander de vider le sac pour quelques dollars. Archi simple celui-là franchement. Franchement j'ai réfléchi, je me suis dit c'est vrai que ça aurait été mieux si j'aurais appris tout le texte par cœur. Honnêtement en 24 heures c'est impossible. Déjà les poésies à l'école j'avais du mal, mais alors apprendre tout ça par cœur, non les gars je peux pas. En plus faut la rapidité, non. Tout le monde pète un câble, on peut... Pouah, il est super dur celui-là, je sais pas pourquoi. Archi simple celui-là franchement. Dans une cave... Waouh. Tout le monde pète un câble, on peut te braquer, te claquer dans une cave et te demander de vider des sacs pour quelques dollars. Ok, je pense que celui-là, il est pas mal, ok. On va pas faire le mal, hein, on va pas commencer à poursuivre alors que là, pour l'instant, on est à la moitié du texte. Et le challenge, ça fait pas très longtemps, quoi. Il est mon téléphone, là. Oh, je suis con, il est là. Tout le monde pète un câble, on peut te braquer pour le claquer. Oh, c'est compliqué, mais franchement... Attends, faut que je me lève, là. Attendez, là, qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi, hein, cousin. Cousin, viens là. Oh non, T-Rex. Je suis en train de me rendre compte là que j'aurais pu passer dans Tellement Vrai parce que je suis un fan de Toy Story et... Parce que c'est pas une blague, je suis réellement fan de Toy Story, j'adore Toy Story. Non mais je pense que vous avez vraiment pas compris. Ma couette, c'est Toy Story. Je voulais vous le dire parce que je suis pas un menteur, c'est bon. De dire ouais tu fais ça juste parce que tu trouves ça stylé. Je suis vraiment fan, je suis un fanboy. This here is the best day ever. Voilà, il a dit abonnez-vous et mettez la cloche hein. Papa, stop. Putain j'arrive plus là, ça y est j'arrive plus. Des coups de poing, j'y suis plus. Des vidéos, des balles, des coups de poing, des battes et des patates dans la tête et des babures et des balles qui se perdent dans le bâtiment. J'y suis plus. Mets-moi là-dedans une potion magique. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débattent, des coups de poing, des battes, des patates dans la tête, des bavures et des balles qui se perdent dans le bâtiment. C'est des vieux banales et des petits kikans pour que t'arrêtes. Il y a ce type de mot du balcon pendant la bagarre pour une histoire de paquet de cam pour deux femmes. Tout le monde pète un câble pour deux. Ça va trop vite. Bon, écoutez, ce qu'on va faire là, c'est que je vais faire une petite pause et pendant ma pause, je vais réviser un peu du coup ce gros paragraphe et après on se reprend pour finir l'autre paragraphe ensemble, ok? C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Tiens, monteur, montre-moi ta gueule de con vite fait. Voilà, merci. Vas-y, maintenant, le monteur, là, sur le fond vert, là, s'il te plaît. Et moi, comme si j'étais dans un matelas gonflable sur la mer. Réalité? Tout le monde pète un câble, on peut te braquer, te claquer dans une cave et te demander de vider ton sac pour quelques dollars. C'est une galère, putain. Ok, je viens de finir ma petite pause, enfin ma pause s'est plus transformée en vraiment une vraie pause en fait. En gros j'ai rien foutu, je me suis reposé sans dormir. Enfin bref, on va passer du coup au prochain paragraphe qui va être du coup celui-ci. Je l'ai déjà entouré mais je l'ai pas encore appris. Tout le monde veut la baraque et la belle bagnole, taper des barres ou remonter la côte. Let's go. Ça a l'air très compliqué hein. Pauvre, les poches pliées, t'es humilié, faut remonter la côte. Il est un peu dur celui-là, je vous mens pas. Après la team, il me restera juste ça. Je sais plus le score qu'ils ont fait eux, je vous le mets ici, de toute façon on verra ça après. Parce qu'on va essayer de le battre, c'est ça le but de cette vidéo. Je pense qu'en titre, j'ai mis battre Big Flo Oli en moins de, je sais pas, on verra combien de temps j'ai mis. Ceux qui sont en live sur YouTube, c'est pour ça, abonnez-vous, je fais souvent des lives sur YouTube. Il y en a un qui est un pote à moi qui m'avait dit, Trevor, tu vas te reconnaître, je vous mets tout de suite le petit screen. Tac, il m'avait dit, tu n'y arriveras pas, c'est impossible, un truc comme ça. Je suis sur la bonne voie en tout cas, je dis ça, je dis rien. Tout le monde veut la belle. Putain, c'est dur. Plié, t'es humilié, faut remonter la côte. Ouh. Je crois que je l'ai celui-là. Écoutez, de toute façon, là, on continue, on enchaîne. Et après, bah, on fera tout depuis le début et puis ce sera le final quoi. Oh là là, je suis stressé pour le final. Ah, petit appel. Allô. On va faire un prank. Eh, est-ce que tu comprends quelque chose? Je suis en train de faire la vidéo là. Est-ce que tu comprends quelque chose si je fais ça? T'as compris ou pas? J'articule pas assez? Non. Ah merde, tu penses qu'ils vont pas comprendre ce que je dis là? Non, on comprend pas. Sérieux? Ouais, c'est sûr. Mais du coup, tout ce que j'ai fait, c'est à la poubelle parce que depuis tout à l'heure, j'ai fait ça. Bah, on commence. Ok, let's go, on passe au dernier couplet. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Qui t'a tapé le plus petit ou bien braquer la poste, casser la porte? S'il y a des morts, non, non, stop. Ah,
En vrai, je vous jure que ça apparaît vraiment simple comme ça. Je sais pas l'image, ça paraît simple ou pas. Mais essayez chez vous, franchement, c'est, même si pour vous peut-être ça peut être inutile, franchement, tout ça intéressant d'une fois dans sa vie d'essayer de faire un truc comme ça. Allez, on passe à l'entraînement sur tout ça. Let's go. Ok. Il y a ce type de mot du balcon pendant la bagarre pour une histoire de paquet de cannes et de femmes. Tout le monde pète un câble, on te peut te... Ah putain, ça va être hyper dur parce qu'en fait, faut tout dire en s'en souvenant en fait. C'est incroyable parce qu'il faut pas une petite faute, sinon c'est mort. Les bacs se perdent dans le bâtiment, c'est des vieux malades, des petits qui cannent pour que t'arrêtes. Il y a ce type de mot pendant... C'est dur. Tout le monde va à la baraque et la balle au bagnole dans des bas... Putain de sa mère. Je l'avais là. Cette vidéo, je pensais pas qu'elle allait être aussi dure, je vous le jure. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débattent, des coups de poing et des pattes et des patates dans la tête de là. Tout le monde va à la baraque et la belle bagnole dans... Ta putain, je l'avais bien là. Non. J'ai pas moi de gratter sur ça là. Putain. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débattent, des coups de poing et des pattes, patates dans la tête de là. Et dans cette époque, t'as pas de milliers de billets, t'es pauvre, les poches oubliées, t'es humilié, faut que... Ah. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débattent, des... Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos, des débats, des coups. Oh putain, non, quand j'arrive pas le début, c'est mort. Oh là là, ça fait comme les poésies, tu te souviens plus du début. Ça me gave. Humilié, faut que raconte. Oh non. De toute façon, je vous le dis, j'arrêterai pas cette vidéo tant que j'ai pas réussi. C'est mort. Pourquoi je sais pas. Putain de sa mère. Je l'ai. Tu bien braquer la poste. Putain. Tu bien braquer la poste. Putain, mais pourquoi j'ai pas continué là. Ça me. Putain. Putain, j'arrive. J'ai plus de voix là. J'aime pas mordre les feuilles en plus, ça me fait mal aux dents. J'avais tout là. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos, des débats, des coups de poing et des battes et des patates dans la tête, des bavures, des balles qui se perdent dans le bâtiment, c'est des balades et des petits qui cannent pour que t'arrêtes. Et si peu demande du balcon pendant la bagarre pour une histoire de paquet de cam et de femmes. Tout le monde pète un câble, on peut te paquer, te claquer dans une cave et demander de vider le sac pour quelques dollars. Tout le monde va à la baraque et la balle bagnole, taper des barres au baléal avec sa bande de potes. Et dans cette époque où t'as pas de milliers de billets, t'es pauvre, les poches pliées, t'es humilié, faut remonter la côte. Qui t'a tapé le plus petit ou bien baquer la poste, casser la porte, s'il y a des morts, ce n'est pas de ta faute, et peu importe, t'es prêt à tout pour embarquer la canette. Non, stop. Je crois que je l'ai eu la team. Est-ce que mon micro enregistre? Est-ce que ma caméra enregistre? Oui. Je crois que je l'ai eu. Écoutez, je vais couper cette caméra, je vais regarder cet enregistrement chronométré pour voir à combien de temps j'ai mis et voir ensemble débriefer si j'ai bien articulé, sinon je le recommence. J'espère que tout est bien. J'espère. Let's go, à tout de suite. Et oui, j'ai gagné. Je les ai battus, je suis choqué. Bon, je me suis enjaillé pour rien, mais je suis choqué, je pensais pas. J'ai chronométré, ils ont fait 23 secondes 675. À peu près, et moi j'ai fait 21 secondes 791, donc j'ai été plus rapide qu'eux. Bon, alors c'est à vous de voir dans les commentaires si c'était mieux au niveau de l'articulation ou quoi. Bien sûr, eux sont beaucoup plus chauds, eux ils ont fait ça voilà comme ça, en plus c'était du par cœur, il y avait pas le texte en dessous. Bref, le but c'était de voilà de me surpasser, d'essayer de faire mieux qu'eux dans leur vidéo sur Combini. Voilà, c'était juste ça, histoire de s'amuser et de prendre du bon temps et tout. Et franchement, je suis content, j'ai réussi à me surpasser. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est validé aussi ou pas, ou pour vous justement l'articulation n'était pas assez là ou quoi. Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas si vous êtes pas d'accord avec moi, si j'ai pas gagné ou quoi. Enfin, on s'en fout, de toute façon il n'y a pas de jeu. Le but était de s'amuser, de prendre du plaisir, et franchement, je l'ai pris, c'était cool. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Bref, la team, n'oubliez pas, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Gros bisous, ciao. Je voudrais voyager sur tous les continents, mais mes parents à la plage, grâce à mes finances. Je perds pas mon temps car j'ai besoin de maille.